Ce que je compte est dérisoire, il n'y a pas de fait historique. Ça fait pas trop peur dans le noir et c'est même pas un texte biblique. C'est juste l'histoire d'une bulle de savon qu'au départ n'existait même pas, enfermée dans du plastique rond sur une étagère IKEA. Elle avait pas la forme d'une bulle, juste un fragment dans cette substance. Il a fallu que petite Ursule appuie une fois sur la détente, et voilà qu'entre deux microbes, une petite bulle du robinet s'échappe, oui, d'un coup se dérobe du flacon de petit Marseillais. Au départ, tout allait trop vite. Faut dire qu'il n'y a pas le temps de penser. Quand tu te barres enfin du mythe qu'on est si bien dans son foyer. La petite bulle, à peine évadée, pas vraiment prête pour le tour du monde, était enfin débarrassée de l'odeur de lavande nauséabonde. Puis enfin, l'envie de découverte a pas tardé à arriver. Car voler bien plus haut que les fenêtres, ça donne envie de plus les fermer. Donc comme c'est beau, je connaissais pas tous ces oiseaux à côté de moi. C'est air tout frais et le petit chat qui miaule pour qu'on lui ouvre en bas. Et je distingue entre les pins une petite fille en trottinette. Oh mon Dieu, comme la salle de bain, du haut du ciel, le meule des bectes. Et la voilà qui continue son petit bonhomme de chemin. Elle chante tout haut, se met à nu en regardant passer les trains. Elle ne fait pas couvrir les yeux. La voilà qui tend les oreilles et qui s'éloigne en de l'air de jeu en tant un air de violoncelle. Se met à rêver de vie à deux et de doux baisers au réveil. De trucs, allez, disons-le, un peu mielleux qui donne sommeil. Mais notre petite bulle persiste, on va pas lui passer un savon. Mais avouons, quel égoïste, elle vient de sortir du porte-savon. Et la voilà déjà rêveuse à s'ennuyer du quotidien. Des chats miaulants pendant des heures, pendant qu'elle, elle, regarde les trains. Moi je m'ennuie, je suis toute seule, à quoi servent les beaux paysages? Pas d'occasion d'ouvrir ma gueule si mes seuls potes sont les nuages. Quand soudain, petite bulle frissonne, la voilà toute prise de passion. En guettant la flore et la faune, elle aperçut un hérisson. Ça y est, c'est le coup de foudre et me voilà tout envoûtée. Faut vite que j'apprenne à coudre et à tricoter des bonnets. Je fonds déjà et j'aperçois un cœur fondant et délicat. Tous ces piquants ne sont pour moi qu'une façon de dire n'approchez pas, c'est un fragile. Oui, je le sens. Et moi, la petite bulle, je vais le sauver. Je vais lui dire qu'il faut avoir confiance en lui et pour l'éternité. On pansera toutes ses blessures, je lui préparerai des gâteaux. Oh, ça y est, je me fais des films, je nous imagine sur un bateau. Je sais, c'est lui. Lui, c'est le bon. Son côté punk me dérange pas. À notre mariage, j'aurai du son, du champagne et même du foie gras. La petite bulle toute excitée à l'idée de lier son cœur à un inconnu sublimé, comme il irréparable erreur. De sans réfléchir s'approcher et de se heurter au pic sans peur. Le hérisson tant convoité l'a transpercé en plein cœur. Il est bien loin le robinet ou le destin de funambule qu'avait prévu l'éternité pour notre jolie petite bulle. La morale de cette histoire, puisque parfois il en faut une, est peut-être oui, pourquoi pas celle qui ici se dissimule. Certes, la vie est pleine de risques, pleine de tracas, pleine de questions, qui parfois sont bien pessimistes en défaveur des occasions. Madame, messieurs, je n'ai pas tout vu, bien loin de moi cette prétention, mais quand je regarde sous mon pull, je vois que je suis ni d'eau, ni de savon. La petite bulle, oui, croyez-moi, n'avait qu'une chance et l'a saisie. On en a plein qu'on ne saisit pas, donc c'est pas elle qui a mal grandi. Mesdames, messieurs, oui, croyez-moi, après l'histoire de cette tête de mule, on n'est pas fait d'air froid, on n'est pas fait en bulle. Donc il est temps que l'on circule, oui, frottons-nous aux aléas.